notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Jésus a la capacité de guérir toute maladie. La Bible déclare, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu es malade. Au nom de Jésus-Christ, tiens la main de Jésus et lève-toi parce qu'il t'est guéri. Il t'est guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu témoigneras que Jésus-Christ est le médecin des médecins. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ton fils, réveille ta femme. Nous allons prier. C'est la prière qui est notre puissance, qui est notre force. Nous sommes à l'émission des prières OSB, Opération sous la brèche, Marc chapitre 5, 1 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 5, 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis d'effrayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous firent dans l'étonnement. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Nous allons tirer 4 leçons de cette histoire. Première leçon, sans Jésus, les hommes sont esclaves. Sans Jésus, les hommes sont prisonniers de Satan. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, le comportement que tu vois au niveau de ton fils est sorti de la maison, il est maintenant avec les drogués, il ne veut même plus aller à l'école. Tu dois savoir qu'il y a un problème chez ton fils, parce que sans Jésus-Christ, Satan devient maître, les démons deviennent maîtres de quelqu'un. Vous voyez, quand nous voyons l'état dans lequel se trouvait cet homme, ce démoniaque des Gadaréniens, la Bible nous montre que cet homme, il vivait où il sortait des sépulcres et il était possédé d'un esprit impur. Quand on parle de possession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les diables, les démons prennent le contrôle
totale d'une personne. Il prend le contrôle de son être tout entier. Et beaucoup de gens que nous voyons dans nos rues, il y a beaucoup de gens qui sont possédés. Comment se fait-il que toi qui m'entends, tu es un monsieur, tu es marié, Dieu t'a donné une femme qui est très jolie. D'où vient que tu laisses ta femme et tu cours derrière la servante? Est-ce que tu trouves ça normal? Regardez, quand quelqu'un est contrôlé par les démons, il va poser des actes anormaux. C'est comme si il y a une force derrière la personne pour le pousser à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Des choses que même la société décrit. Regardez, on dit que cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Un homme normal ne peut pas dormir dans le cimetière. On dit personne ne pouvait les lier, même avec une chaîne. Il y a des gens parfois que nous voyons, ils sont très forts. Quand ils se fâchent, vous ne pouvez même pas les maîtriser. Ça peut être les démons. Évidemment, il y a des gens qui disent que non, c'est parce que c'est un sportif. Oui, je suis d'accord qu'il y a des sportifs, quelqu'un à cause du sport. Mais pour certains, ce n'est pas un problème de sport. C'est une force anormale. Vous voyez quelqu'un quand il se fâche là, les yeux deviennent rouges. On ne peut même pas le tenir, même 3 personnes, 4 personnes. C'était le cas de cet homme là. Une force anormale qui venait des êtres spirituels qui contrôlaient sa vie. Et la Bible nous dit au verset 4, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il rompit les chaînes et brisait les fers et personne n'avait la force de les dompter. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as un problème. Ton mari, tu n'arrives même pas à les dompter. On te dit que ton mari a des maîtresses. Il a fait enfant à l'extérieur. On te dit que ta femme, son caractère, il n'y a personne qui peut les dompter. Mais Jésus de Nazareth, elle, a la puissance de les dompter. Est-ce que tu comprends? Sans Jésus, les gens sont esclaves. Quand tu vois quelqu'un qui a des comportements anormaux, tu dois avoir pitié de lui. Tu vas prier pour lui. Tu vas prier et prier pour lui présenter Jésus-Christ parce qu'il c'est un esclave. Regardez même, on dit jour et nuit dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres. Vous voyez, ce que le diable peut faire dans la vie de quelqu'un. Il peut pousser même la personne à se suicider. La plupart des gens, vous entendez que quelqu'un s'est jeté dans l'eau, il s'est suicidé. Ce sont les puissances démoniaques. Les gens ont besoin de Jésus. Deuxième vérité, les démons sont soumis à Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le verset 6 dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. La Bible déclare que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout ce qu'on nomme comme démon, que ce soit la sirène des eaux, que ce soit l'esprit de Marie de nuit, que ce soit l'esprit de mort qui te dérange. Et toi qui rêves, ces derniers temps, il y a des chiens qui viennent te mordre, il y a des serpents qui viennent. Tous ces esprits de serpents, tous ces esprits de Marie de nuit, des sirènes des eaux, devant Jésus, ils vont fléchir. Vous voyez, en réalité, quand cet homme est venu se prosterner, ce n'était pas lui, c'était les démons qui étaient en lui. Quand ils ont vu Jésus, ils ont reconnu que Jésus est leur gradé. Et quand Jésus donne des ordres, ils doivent obéir. Écoutez même comment il a crié. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Même les démons reconnaissent. Quand ils appellent Jésus fils du Dieu très haut, les Hébreux appellent ça El Elyon, c'est-à-dire le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, au-dessus des masques, au-dessus de la sorcellerie. Vous voyez, même les démons, ils reconnaissent que Jésus est le fils du Dieu très haut. Et il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est pour dire que Jésus est venu tourmenter les démons. Parce qu'il donnait l'ordre de sortir. Jésus a le pouvoir sur les démons et les démons lui sont soumis. Troisième vérité, Jésus a le pouvoir de libérer, de transformer l'homme. Regardez cet homme, personne ne pouvait le dompter. Il brisait les chaînes. Il y a des gens qu'on ne peut pas transformer. Il y a des gens qu'on ne peut pas maîtriser, mais Jésus est capable de les maîtriser. C'est pourquoi nous devons leur annoncer l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand cet homme a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a chassé les esprits impurs, ils sont partis dans les pourceaux. Et la Bible nous dit, au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus, ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion. Quand on dit légion là, une légion romaine comptait plus de 6000 soldats. Ça veut dire que cet homme était possédé de plus de 6000 démons. Vous vous rendez compte? On dit, ils virent auprès de Jésus. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent les démoniaques, celui qui avait la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Avant cet homme, il ne pouvait pas porter d'habit. Avant cet homme, il dormait dans le cimetière. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a délivré. On a trouvé une personne transformée. Il était vêtu maintenant. Il était dans son bon sens. Il pouvait être calme.
Vous voyez, Jésus est capable de transformer la société. Jésus est capable de délivrer les démoniaques, les gens qui sont des adultères, les gens qui sont des homosexuels, les gens qui sont des ivrognes. Jésus est capable de les transformer. Quatrième vérité, lorsque Jésus nous délivre, nous avons une responsabilité, celle d'aller annoncer l'évangile à d'autres personnes. C'est ça la leçon que Jésus nous donne ici. Lorsque cet homme a été délivré, il a demandé la permission de rester avec Jésus. Mais il est dit, au verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait. Lorsque Jésus t'a tiré des liens de sorcellerie, je parle de toi, ma sœur, tu as vu comment tu allais mourir. Mais tu as maintenant la responsabilité, regarde tes frères, tes sœurs, tes cousins, les gens avec qui tu as grandi, tes amis, ils sont encore dans la même situation. Va leur parler de Jésus, va leur dire comment Jésus t'a sorti de cet état-là. C'est ça, Jésus t'a délivré, tu as vu la main de Dieu dans ta vie, tu as vu comment tu étais toujours humilié, personne ne s'est marié dans ta famille. Personne n'a enfanté, mais toi tu fais l'exception. Tu as vu la main de Jésus. Retourne dans ta maison. Va vers les autres, vers ceux qui ne connaissent pas Christ. Va leur dire que Jésus est capable de les toucher, de les guérir, de les libérer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les louer en chantant ces cantiques.
celui de mon cœur est. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom. Célébrons donc. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Quelle que soit la situation, je célébrerai. Quelle que soit l'adversité, je célébrerai. Quels que soient les combats, je célébrerai. Quelle que soit l'adversité, je célébrerai. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Ce nom qui donne la vie, je célébrerai. Nom qui donne la joie, je célébrerai. Ce nom qui donne la paix, je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix, bénissons le nom du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 5, 1 à 20. Nous venons de voir que Jésus a la capacité de délivrer. Mais sans Jésus, les hommes sont esclaves. Tu vas voir dans ta vie, peut-être que tu vois des choses anormales. Tu vois des songes bizarres, tu te retrouves comme dans un cachot. Peut-être que tu as un membre de famille, ton mari, ta femme ou bien un enfant qui est toujours lié, qui fait des choses, des comportements anormaux. Vous lui donnez des conseils, vous n'arrivez même pas à les maîtriser. Parfois, il dort même à l'extérieur. Nous allons prier pour que la puissance de Jésus-Christ puisse les toucher, puisse les libérer. Nous allons prier afin que ces chaînes sataniques et démoniaques soient brisées et qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père, c'est une fois de plus un privilège pour nous d'invoquer ton nom ce matin. Nous nous tournons vers toi, Père éternel, pour exprimer notre joie, pour exprimer notre assurance et retourner notre amour que tu as pour nous. Ton Fils Jésus-Christ, tu l'as offert librement en sacrifice pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Non seulement nous avons été délivrés par Jésus, mais nous avons été équipés pour proclamer
proclamer son évangile et pour contribuer à l'avancement de son œuvre. C'est pourquoi ce matin, ô Père éternel, avec mon frère qui m'écoute, avec ma sœur qui m'écoute, nous nous associons et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout homme, toute femme possédée par un esprit impur reçoit sa délivrance ce matin. Nous déclarons que les liens sataniques sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous ceux qui sont liés par la servitude de l'alcoolisme, par la servitude du tabagisme, reçoivent leur délivrance ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit impur qui possède les fils et les filles de l'Éternel et qui les amène, qui les incite à poser des actes qui n'honorent pas le Seigneur, reçoivent leur délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom. Et à sa mention, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ a la capacité de transformer, de libérer l'homme. Cet homme qui a été possédé par une légion de démons a été libéré. Il était vêtu dans son bon sens. Nous allons penser à tous ceux qui ont des problèmes, des chaînes, des liens, des comportements anormaux. Nous allons les présenter à Jésus afin que Jésus puisse transformer leur vie. Il y a des quartiers où il y a des drogués, il y a des bandits, des gens qui sont des braqueurs. Si tu connais quelqu'un, prie, présente cette personne à Jésus-Christ parce que Jésus est capable de la transformer, de libérer comme il a libéré ce démoniaque et qu'il revienne dans le bon sens au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu trois fois saint qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose vient à l'existence. Ce matin, nous aimerions te présenter nos vies, la vie de nos amis, de nos enfants, de tous ceux qui nous coûtent cher. Ô Seigneur, des alcooliques, Seigneur, des drogués, Seigneur, des enchaînés par la boisson, par la cigarette, par la drogue, par le sexe, par toute pratique de déviation. Seigneur, nous aimerions te prier. Cela nous amène, ô Seigneur, à nous inquiéter, à nous soucier, puisque tu as dit, tu recevras le Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous voulons que ceux que nous aimons, qui ne sont pas encore dans la bergerie, soient sauvés, soient délivrés, soient libérés, soient franchis. Notre Dieu, notre Père, c'est notre souhait, c'est notre vœu. Ça peut être notre mari, ô Seigneur, un de nos enfants, tous ceux qui nous coûtent cher, souviens-toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous avons la responsabilité d'aller publier les hauts faits de l'Éternel. Lorsqu'il nous a sauvés, lorsqu'il nous a délivrés, lorsqu'il nous a guéris, lorsqu'il nous a sortis de la boue, comme cet homme, Jésus lui a dit, retourne dans ta maison et va dire ce que l'Éternel a fait pour toi.
tu vas dire, tu vas prier pour dire, Seigneur, donne-moi ce zèle, cette capacité d'être ton témoin, afin que par ma vie, afin que par mon ministère, ceux qui ne te connaissent pas puissent connaître Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui es Dieu d'éternité en éternité. C'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous étions dans les ténèbres, nous étions liés par les trains de ce monde, mais par ta bonté, par ton amour, tu nous as délivrés. Tu nous as transportés des ténèbres à ta grande lumière. Nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance pour ces hauts faits dans notre vie. C'est pourquoi, ô Père éternel, depuis que nous avons reçu ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons également pris l'engagement d'être tes témoins partout où nous irons. Partout où nous nous retrouvons, nous déclarons au Père éternel que toute forme de timidité dans l'élocution, toute forme de timidité dans l'annonce de ta bonne nouvelle soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Donne-nous le zèle, donne-nous l'audace pour proclamer ta bonne nouvelle, pour déclarer ce que tu as fait dans notre vie, parce que ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons pas tout raconter. Ce que tu as fait pour nous, Père éternel, nous ne pouvons pas expliquer. Et nous le témoignons chaque jour. Tu as changé notre comportement. Tu as changé notre attitude. Tu as changé notre manière de parler. Et tu as transformé entièrement notre vie afin que nous puissions être une référence, que nous puissions être la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la Brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, si la fin pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ma famille, pour réussir à un examen, un concours, c'est pas facile. Mais je suis venue à OSB l'année dernière et j'ai écrit mon sujet. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être admis au BTS, dont je veux lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.